L'Égypte ne me suffit pas. Au-delà, c'est la route des Indes. Je dois y écraser tout espoir de résistance des Britanniques. J'ai menti, j'ai comploté, et j'ai fini par atteindre l'Égypte. Mais la perfide Albion ne supporte pas que l'on se montre plus malin qu'elle. Ses navires ont fondu sur ma flotte, dans la baie d'Aboukir. Et salut à tous, c'est Europac Knight et aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième épisode des batailles historiques de Napoléon Total War sur la bataille du Nil ou bataille d'Aboukir, opposant François-Paul Bruyère d'Aigallier à Horatio Nelson, plus grand amiral britannique de son temps. C'est parti pour la bataille, je vous reprends après. 1er août 1798, ma flotte mouille au large d'Alexandrie sous le commandement de François-Paul de Bruyère d'Aigallier. Les navires ont été positionnés dans les eaux peu profondes de la baie d'Aboukir pour défendre ce passage vers l'Égypte. Au nord-est, loin au large, une flotte britannique plus puissante que la nôtre nous attend, avec Horatio Nelson à sa tête. Les Britanniques vont nous attaquer, c'est inévitable. Mais seul un amiral très doué oserait risquer ses navires dans des eaux peu profondes au beau milieu de la nuit. Nous devons protéger Alexandrie à tout prix, et nous attendra une attaque dans la matinée. Bien. Donc, nous sommes partis. Voilà, toi, tu vas te mettre juste ici. Un peu moins. Ici. Ensuite, à l'arrière. À l'arrière, vous deux. Vous deux. Je vous mets juste là. Pleine voilure, bien sûr. Non. Là, je vous ai dit. Excellent. Deux. Cinq. Voilà. À gauche du navire amiral. Ici. Là, 1, 4, 8, 1, 4, 8, derrière, en diagonale du deuxième bateau, donc, ici, et enfin, l'unité 6 se rapproche du 3, et tout ira bien. Attends, l'unité 5 derrière la 3. La 3. C'est elle. Voilà. C'est parti. Et toi, parce que je t'ai pas bougé, je vais te faire tourner, pivoter un peu sur la gauche. C'est bon, là tu seras bien. Ensuite. Encore. Voilà. Et toi, tu te colles derrière l'unité. Là. Voilà.
ça commence l'harcèlement. Et je vais continuer à te faire avancer, toi. Continue de tourner demi-tour, demi-tour. Demi-tour, demi-tour. Hop, 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 va-t'en de là, toi. Tant pis, premier vaisseau à partir en déroute. Bateau anglais en feu, ça c'est bon. Second bateau anglais à partir en déroute. Stop, stop, stop. On va se calmer. Voilà. Toi, passe par là. En pleine voile. Toi, c'est bon, t'es bien placé. Toi, tu te fais harceler, donc t'es obligé de partir. Alors, les caméras dans les batailles navales sont très ennuyantes à utiliser. Je ne perds plus le bateau à l'instant.
faut à tout prix que je garde le navire amiral, c'est très important. Je me débarrasse de un à un en fait. C'est ça qu'il faut faire. Tout en protégeant mon navire amiral. Toi, il faut que je te bloque entre les deux. Yes, c'est bon. Nelson est mort. Tout le monde, on se répare. Et c'est bon. Oh, putain. Ah, cette bataille, je me dis, désolé d'avoir pas parlé du... Les Britanniques ne sont pas aussi malins qu'ils le croient. Et leur capacité de navigateur laisse un peu à désirer. Donc, désolé d'avoir pas trop parlé durant cette bataille, parce que franchement, les batailles navales, c'est pas du tout mon domaine. Donc j'ai préféré rester concentré et silencieux durant cette vidéo. Mais je vous promets que dans les prochaines batailles terrestres, je parlerai un peu plus. Mais dans la prochaine bataille navale qui sera Trafalgar, que je ferai plus tard, j'essaierai de parler beaucoup... J'essaierai de faire comme ici, rester concentré et pas beaucoup parler. Donc voilà, vous avez les statistiques... J'ai gagné, mais je cherchais pas du tout à faire du score, là. Je cherchais plutôt à gagner et puis avoir mon aigle d'or sur la bataille. Donc je vais sortir d'ici. Et donc, prochaine bataille. Donc j'avais le choix entre Trafalgar, les deux Waterloo ou Austerlitz. Donc je vais continuer sur ma lancée. Trafalgar, je la ferai plus tard, même beaucoup plus tard. Je pense après Friedland, que je vais refaire en vidéo, parce que je l'avais déjà fait aussi... une fois pour m'entraîner. Donc prochaine vidéo, ça portera sur la grande bataille d'Austerlitz, puis après je ferai sûrement Friedland et après Trafalgar. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, laissez un like et un commentaire, et si vous voulez en voir plus, que ce soit du Napoléon, du Call of Duty, du Rambo, du je ne sais quoi, abonnez-vous à la chaîne. Allez, bonne fin de journée, bonne fin de soirée si vous regardez ça le soir, et portez-vous bien.